contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma série Mom Life. Donc comme vous le voyez, je suis pas dans mon décor habituel. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais actuellement on est bloqué en France compte tenu de la situation actuelle. En fait, on n'a pas pu rentrer chez nous en Espagne. Donc voilà pourquoi déjà le décor est différent de d'habitude. Donc aujourd'hui je vais vous parler de sommeil de bébé. Et vous avez été énormément à me poser plein de questions sur Instagram. Et déjà aussi suite à ma dernière vidéo où je vous parlais de la régression des 4 mois, etc. Enfin, je sais que le sommeil des bébés, c'est vraiment un sujet qui intéresse énormément de parents. Et moi personnellement, je me suis énormément renseignée sur le sujet. J'ai suivi plusieurs formations, etc. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la méthode miracle, parce que on peut le dire, c'est un miracle, qui a fonctionné sur ma fille qui maintenant fait ses nuits à 7 mois. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de comment elle était avant, comment elle est maintenant et de tout ce qu'on a mis en place pour qu'elle arrive enfin à faire ses nuits. Donc déjà, comment ça se passait avant? Donc Léna, elle avait 7 mois quand j'ai commencé à vouloir qu'elle fasse ses nuits. Donc déjà, comment ça se passait avant? Donc je vous avais déjà fait un point à ses 4 mois, donc je vais pas revenir là-dessus, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Mais sinon, depuis cette vidéo-là, comment ça se passait? Ça se passait que j'endormais toujours Léna dans les bras, ou alors on était en balade dehors. On a fait un mois à l'étranger en Thaïlande, donc elle s'endormait énormément en poussette, en voiture, en porte-bébé, etc. Et très très rarement, elle dormait au calme dans sa chambre. À chaque fois que je l'endormais au bras, voilà, globalement. Et ensuite, quand on est arrivé en France, elle a commencé à peser un peu plus lourd et du coup, j'avais du mal à l'endormir au bras parce que des fois, bah, ça durait longtemps, quoi. Et donc, je me suis mise à l'endormir dans le lit à côté de moi. Je l'endormais en tétant, etc. Alors que toute petite, elle s'endormait jamais au sein. Là, je me suis dit, faut que je l'endorme au sein parce que comme ça, au moins, j'aurais pas à l'endormir au bras. Donc, voilà, grosse mauvaise habitude. Enfin, je sais pas si on peut dire mauvaise habitude, en tout cas moi j'avais pas envie que ça perdure dans le temps, et en fait s'est installé un espèce de cercle vicieux où vu que je l'endormais au sein, la nuit elle réclamait encore plus souvent le sein qu'avant. Dès qu'elle était un petit peu réveillée, elle voulait que ça pour se rendormir. Du coup avec Léna on était en cododo dans le même lit, et ce depuis sa naissance. En fait il y avait juste ses siestes qu'elle faisait dans son lit quand on était en Espagne. Après quand on est parti en Thaïlande, donc à partir de ses 5 mois, c'était dans mon lit quoi, c'était soit contre moi en porte-bébé ou dans la poussette, soit dans mon lit avec moi. Donc on était en mode je l'endors au sein, elle dort avec moi dans mon lit et dès qu'elle se réveille, je la rendors au sein. Donc on était genre à l'extrême de l'indépendance au sommeil vers lequel je voulais arriver, puisque je commençais à être très très fatiguée puisque les réveils commençaient à se multiplier, elle commençait à grandir, elle a 7 mois maintenant. Donc on est arrivé à un stade où je me suis dit, ça peut plus durer, là il faut qu'on trouve une solution. Vous avez parlé de la méthode que j'avais suivie, enfin pas la méthode mais j'avais suivi un cours de sommeil quand elle était toute toute petite. Je vous la mettrai en barre d'infos, ça donne plein de bons conseils pour les bébés de 0 à 12 mois. Et ensuite en fait j'étais un peu dans le flou, d'où ma vidéo la régression des 4 mois. Et voilà, je l'endormais comme je vous le disais au sein et tout, et j'avais envie d'autre chose. Mais à la fois j'avais acheté ensuite les autres cours de la même coach qui avait fait le, comment ça s'appelle, The Newborn Stage ou je sais plus quoi. Et j'avais regardé ses conseils sur l'endormissement des bébés de 5 mois et plus. Et là ça m'avait, ça correspondait pas à ce que je recherchais en fait, puisqu'il y avait beaucoup de laisser bébé seul dans sa chambre et le laisser pleurer tout en faisant des petits checks à 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et ça j'étais pas prête du tout, j'étais pas prête en fait à passer de elle est contre moi tout le temps, on dort ensemble, à ok maintenant je te pose dans ton lit et tu te débrouilles. Donc j'avais envie de trouver autre chose. J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé, j'ai vu énormément de méthodes, mais j'ai pas trouvé une méthode qui m'allait. Et en fait il y avait une abonnée qui m'avait envoyé un mail, qui m'avait dit je suis coach du sommeil, si tu veux quand Léna aura plus de 5 mois je peux t'aider, etc. Donc je me suis rappelée de ce mail, et quand Léna a eu plus de 5 mois j'ai contacté cette personne et elle m'a expliqué sa méthode. Et là je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux essayer pour ma fille. J'ai jamais vu une méthode aussi bienveillante, mais à la fois qui apprenait à son enfant à s'endormir tout seul. Donc let's go, on va tenter. Et c'est là du coup que j'ai rencontré Delphine, ma coach en sommeil. Donc dans vos questions, ce qui est revenu énormément, c'est qu'est-ce qu'une coach en sommeil? Il y en a qui m'ont dit est-ce que c'est quelqu'un qui vient chez toi quand t'es en train d'endormir bébé, qui reste à côté de toi et qui te dit quoi faire, etc. Ça m'a fait beaucoup rire. Non en fait c'est pas une personne qui vient chez vous, mais c'est une personne qui, selon ce que vous allez dire sur votre bébé, va pouvoir ensuite établir un espèce de programme que vous allez pouvoir suivre à la lettre pour parvenir
à ce que votre bébé s'endorme tout seul. Donc ça existe sur internet, il y en a énormément, des coachs en sommeil. Vous m'avez aussi demandé à partir de quel âge, et c'est à partir de 5 mois qu'elle, elle travaille en tous les cas. Je pense que ça dépend des coachs, mais elle, elle m'avait dit pas avant 5 mois. Du coup, jusqu'à quel âge, jusqu'à n'importe quel âge en fait. Elle a des méthodes pour à peu près tous les âges. Combien ça coûte ensuite, vous m'avez demandé. Alors cette coach en particulier, sa formation entre guillemets coûte 370 €. Donc c'est le prix de son programme du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que votre enfant parvienne à s'endormir tout seul et qu'il fasse ses nuits. Donc ça peut durer 2 semaines ou ça peut durer 1 mois ou plus. Elle est en fait présente avec vous tout le long. Donc moi personnellement ça a duré 2 semaines, mais ça dépend vraiment. Elle m'a dit que Léna, elle s'était super vite adaptée et tout, alors que pourtant je vous ai dit tout à l'heure on partait de loin, on partait du cododo, tétée à volonté, etc. Donc je suis choquée moi-même que ça ait pris que 2 semaines, parce que bah, je vais vous raconter après, mais on est passé par des étapes assez compliquées. Donc 370 €, certes c'est un coût, après bah c'est franchement, pour moi ça les vaut très largement. Je ne suis pas payée pour vous parler de cette méthode, je n'ai pas de partenariat sur les programmes qu'elle vend, etc. Je vous en parle vraiment d'ami à ami, parce que j'aurais aimé que n'importe quel ami me conseille cette personne qui a sauvé mes nuits et celles de Léna. Donc vraiment c'est pas du tout une vidéo en collaboration. Moi comme je vous l'ai dit, elle m'a offert la formation, mais si c'était à refaire, je le referais 10 000 fois, je paierais ce prix là parce que pour moi bah, ça vaut toute la tranquillité. Le lit, franchement, le lit de votre enfant, les transats qui balance tout seul, des fois on balance de l'argent dans plein de petits trucs qui au final sont 10 000 fois moins utiles qu'une méthode révolutionnaire pour que votre enfant s'endorme tout seul. Léna, elle a pas un lit de ouf, elle a pas un matelas de ouf, là elle dort dans un lit parapluie et voilà, ça lui va très bien. Donc si vous avez de l'argent à économiser quelque part sur tous ces transats à bascule qui endorment votre enfant tout seul, sur des matelas super chers, etc. Si vous avez de l'argent à économiser, plutôt mettez par exemple sur votre liste de naissance une coach en sommeil, c'est tellement plus utile. Je sais pas, moi personnellement j'ai trouvé ça super utile. On m'a aussi posé la question de l'allaitement. Donc moi j'allaitais toujours Léna avant de commencer ce coaching. Je l'allaitais je pense 8 fois par jour, toutes les 2-3 heures et même la nuit. Et maintenant je l'allaite 4 fois par jour. Je l'allaite le matin, le midi, le goûter et le soir. Et ça lui suffit amplement pour tenir toute la nuit. Par contre, j'ai pas juste tout coupé d'un coup, j'ai aussi introduit l'alimentation solide. Donc à 6 mois et demi, j'ai commencé à donner des purées, des compotes et tout à Léna. Donc ça l'aide aussi à plus se nourrir la journée. Et donc je sais pas si ça a eu un impact sur ses nuits, mais je préfère vous le dire, elle a commencé à peu près en même temps que le programme ou 2 semaines avant à manger solide pendant la journée. Pour moi, le but de cette méthode, c'était vraiment de retirer toutes les tétées nocturnes, parce qu'elle était grande, elle avait bien pris du poids, plus de 7 kilos, donc elle était censée pouvoir tenir la nuit. Et voilà, en fait, la coach peut s'adapter si jamais on a envie de garder une tétée la nuit. Moi, elle m'a dit dès le départ, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux en garder une? Moi, je m'adapte vraiment. Et je lui ai dit non, je préfère tout retirer, je préfère, voilà, si jamais c'est possible, j'aimerais tout retirer. Donc on est parti là-dessus. On va maintenant parler de la méthode. Donc je vais vous dire toutes les étapes qu'on a suivies. Donc je vais pas révéler tous ces secrets dans cette vidéo. Je vais vous parler vraiment de toute la méthode. Je vais tout vous dire. Juste les outils qui ont été utilisés sur Léna. Et ben ça va pas forcément être les outils qui vont correspondre aux besoins de votre bébé. Donc je vais pas vous dire les outils qui ont été utilisés sur Léna. Enfin les outils, on dirait que c'est pas technique hein. Je vais pas vous dire ce que j'ai fait exactement avec mon bébé, parce que pour le vôtre ce sera peut-être pas ça qu'il faudra faire. Donc je préfère pas vous induire en erreur. Vraiment ça dépend de chaque bébé. C'est vraiment important que ce soit personnalisé un coaching, parce que tous les bébés sont différents finalement. Donc je vais vous parler de la méthode dans sa globalité. La première chose super importante, c'est de savoir repérer les signes du sommeil de bébé et de coucher bébé quand il est fatigué. Ça paraît débile, mais c'est le plus important. En fait, faut pas suivre un horaire et se dire bon bah la première sieste à 10h, la deuxième sieste à 14h, la troisième sieste à telle heure, ensuite là elle mange et là elle prend son bain et à 20h elle est au lit. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire avec cette méthode, c'est vraiment être très attentif aux signes du sommeil de bébé et le mettre au lit quand il est fatigué. Donc pour moi les signes du sommeil de Léna, et je pense que ça c'est assez quand même universel, dès qu'elle commence à se frotter les yeux, dès qu'elle commence à avoir les sourcils rouges, qu'elle commence à se tendre un peu, à se raidir en fait avec ses pieds, quand elle
bye, ça paraît évident, je sais qu'elle est fatiguée. Mais pour moi, vraiment le signal number one, c'est le frottage des yeux. Elle fait ça avant de bâiller et on préfère coucher un bébé dès les premiers signes de fatigue parce que si on arrive un peu trop tard, ça va être compliqué après pour l'endormissement. Si on arrive au moment où il pleure, il est énervé, il est vraiment très très fatigué, c'est un peu trop tard. Enfin, c'est même beaucoup trop tard. Vaut mieux le coucher dès le début, quoi. Ensuite, elle m'a parlé de l'importance des routines et des rituels. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'assez connu globalement. Donc, une routine, c'est tout ce qu'on va faire avant de mettre bébé au lit le soir. Donc, moi, je vais vous parler de la routine du soir de Léna. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne à manger aux alentours vers 6h30-7h. Ça dépend en fait à quelle heure elle aura pris son goûter. On s'adapte chaque jour. Ensuite, on monte au bain. Je lui fais son bain, souvent avec son frère. Des fois, non. Des fois, Liam, il le prend plus tard. Mais elle, en tout cas, c'est toujours après manger. Pour son bain, les produits que j'utilise, c'est l'huile lavante bébé de Uriage. J'adore les textures huile un peu pour les bébés parce que souvent, en tout cas, les miens, ils ont la peau sèche. Et donc, voilà, j'aime beaucoup les matières assez nourrissantes. Et pour les shampoings, j'utilise aussi le shampoing bébé Uriage. Une fois que le bain est fait, on passe ensuite dans la chambre de son frère. Alors ça, me demandez pas pourquoi, c'est juste que c'est la chambre qui est juste à côté de la salle de bain, la sienne elle est tout en bas, du coup je fais ça dans la chambre de son frère et là je vais lui appliquer souvent cette crème hydratante de chez La Rosée, elle sent super bon et je lui fais un petit massage comme ça sur les pieds, sur les jambes, sur le ventre. Après ça dépend de son état de fatigue, si je sens qu'elle est un peu trop fatiguée ce soir là je ne m'éternise pas, mais j'aime bien quand même, ça la relaxe, ça la détend, etc. Je la mets ensuite en couche et en pyjama. Au niveau des couches, j'utilise toujours les couches Lilidou et ce depuis Liam en fait, donc ça fait des années que j'utilise ces couches et que je les adore. Là ils ont sorti une nouvelle gamme un peu, la couche Lilidou Sélection il me semble, elles sont encore plus douces, comme si c'était possible de faire des couches plus douces que les couches d'avant Lilidou. C'est encore possible, elles sont tellement agréables, je vous le dis. Nous quand on était en Thaïlande, on n'avait pas pris pour un mois de couches et du coup on a utilisé d'autres couches. Mais il n'y a pas d'égal à cette douceur. En plus de ça, elles sont hyper clean. Les lingettes aussi, je les utilise à 99% d'eau. Elles sont super bien. Du coup, Léna n'est jamais gênée par des irritations. Et c'est hyper important pour le confort de bébé parce que vous imaginez bien que sa couche, elle l'a jour et nuit, non-stop, 24/24. Sauf quand elle est dans son bain. Donc c'est hyper hyper important pour son confort et en plus de ça pour éviter les débordements, etc. Du coup couche Lilidou, ensuite je la mets dans son petit pyjama et là je vais lui donner la tétée. Donc je lui donne la tétée dans la chambre de son frère à la lumière. Ça c'est pas du tout quelque chose que je faisais généralement, je la donnais dans le noir dans sa chambre et on m'a dit que c'était pas bon. Du coup tétée à la lumière dans la chambre de son frère et à partir de ce moment là c'est vraiment genre le signal de elle va aller se coucher parce que dès qu'on termine elle se frotte les yeux mais comme jamais, elle est toute fatiguée, toute endormie, etc. Donc là on descend, on dit au revoir à tout le monde dans la maison, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, et on passe à la chambre où là je vais la mettre dans sa turbulette toujours à la lumière et je vais la poser dans son lit. Donc ça c'est la routine du soir et le petit rituel dans la chambre. Pour les siestes c'est un peu pareil mais version allégée. Juste avant sa sieste je dis au revoir à tout le monde dans la maison, bonne sieste, bonne sieste, bonne sieste. On rentre dans sa chambre toujours bien éclairée à la lumière et là je vais changer sa couche. Donc le changement de couche d'avant la sieste c'est le signal aussi, ou alors si sa couche je l'ai changée une demi-heure avant qu'elle soit fatiguée, je vais pas la rechanger. Au début je faisais ça mais maintenant j'ai trouvé une autre astuce. Je lui mets à la place de la crème sur le visage ou je la nettoie, je lui nettoie la peau avec de l'eau Uriage bébé et je vais lui appliquer cette crème pour le visage de la marque Biolan parce que des fois elle a les joues un petit peu irritées à force d'avoir mangé, d'en avoir mis partout, de la purée de potiron et tout. Et du coup voilà, je lui applique sa petite crème et ça c'est un peu le signal aussi de je vais dormir. Après on ferme le volet ensemble, je la mets dans la turbulette, je chante une petite chanson, j'éteins la lumière et je la pose dans son lit. Donc voilà moi pour mes petites rituels et mes routines du coucher. C'est hyper important d'en avoir parce que le bébé au moins ça lui... il reconnaît, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Dès que je la mets dans sa turbulette, limite elle ferme déjà les yeux en mode ça y est, je vais me coucher maintenant. Parce qu'elle sait
que l'étape d'après, c'est je chante une chanson et je la pose dans son lit. Donc c'est super important de toujours exactement avoir le même rituel. D'ailleurs, c'est conseillé quand on commence un programme de coaching pour endormir bébé de rester à la maison la première semaine, de faire toutes ses siestes en fait dans son lit, au moins la première semaine. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y aurait pas eu meilleur moment que ce confinement là pour commencer à apprendre à bébé à s'endormir tout seul, parce que je suis tout le temps, 100% du temps, à l'écoute de ses besoins. Je suis 100% du temps chez moi, à côté de sa chambre, donc dès qu'elle est fatiguée, je peux répondre à son besoin. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidée, je pense aussi, dans le fait que le programme fonctionne bien. C'est que j'étais pas genre aux courses et puis là j'allais rater cette sieste, etc. Non, non, on est tout le temps à la maison et je suis super à l'écoute de bébé, au moins pendant la première semaine du programme. Donc comme je vous disais, ces routines là c'est hyper important, parce que si on les fait trop vite, si on zappe, si dès que bébé est couché on essaie de direct le poser dans son lit, on remplit pas en fait son réservoir affectif, on lui apporte pas ce qui pourrait lui manquer dans le fait d'être seul d'un coup dans son lit. Il faut vraiment le remplir d'amour, et voilà, c'est ce que je me dis, de vraiment d'être présente avec elle juste avant son coucher, de lui faire des gros câlins et de remplir son réservoir affectif. C'est important juste avant la séparation, juste avant de la mettre dans son lit. Et je me rends compte quand des fois à des siestes, j'ai pas trop le temps, j'essaie de faire vite et tout, et ben elle a un petit peu plus de mal à s'endormir, et je me dis ouais ok, j'aurais dû rester un petit peu plus avec elle dans la chambre, prendre le temps de chanter une petite chanson, et je suis sûre elle se serait mieux endormie. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'heure à respecter pour les siestes, le coucher, etc. Cependant, il est quand même recommandé de coucher bébé le soir entre 18h et 20h, parce que c'est là où ils ont beaucoup de mélatonine, c'est là où le crépuscule commence à baisser, et donc naturellement les bébés ont tendance à être fatigués entre 18h et 20h. Et souvent on essaie de coucher bébé un peu plus tard en se disant bah demain matin il se réveillera un peu plus tard, et en fait ça fait l'inverse. Ça fait que si vous couchez un bébé trop fatigué, il va se réveiller énormément de fois la nuit, surtout en début de nuit, parce qu'il sera trop fatigué et du coup il n'arrivera pas à bien s'endormir. Et moi avec ce programme, j'ai décalé l'heure du coucher de l'aîné en fait en faisant attention à ses signes du sommeil justement, et je me suis rendu compte qu'elle était fatiguée bien plus tôt. Avant je la couchais vers 20h-20h30, après qu'on ait mangé, qu'elle ait fait le bain avec son frère, etc. Et en fait maintenant je lui donne à manger toute seule avant nous. C'est pas grave si elle est pas à table avec nous le soir, elle est trop petite pour le moment pour manger à 19h30 et décaler autant son horaire du coucher. Donc je lui donne à manger avant et je la couche à 19h20 en général. 19h30 elle est au lit et elle dort, et ça lui convient très très bien, elle s'endort hyper facilement de cette façon là. Donc cette méthode d'endormissement, parce que depuis tout à l'heure je vous parle des routines etc, parce que c'est super important, mais comment concrètement je suis passée de un bébé qui s'endort avec maman dans le lit à un bébé qui s'endort tout seul dans son lit, parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. En plus de ça, j'étais en cododo, donc je dormais avec elle dans la chambre, et maintenant elle dort toute seule dans sa chambre, donc c'est vraiment un écart de ouf. Donc du coup maintenant je vais vous expliquer la méthode que j'ai appliquée pour que petit à petit elle arrive à s'endormir toute seule dans sa chambre et que moi je vaque à mes occupations dans la maison. Donc en tout il y a 4 étapes, et en fait dès qu'on valide une étape, on peut passer ensuite à la suivante. Donc en étape 1, je suis à côté du lit de Léna, je suis à côté d'elle, je la rassure, etc. Et à chaque pleur je la rassure de la même manière. Donc j'ai 2 leviers que je peux activer dès qu'elle pleure. C'est des manières en fait de répondre à ses pleurs. C'est pas la laisser pleurer toute seule. Non non non, je la prends, je m'en occupe, etc. Et donc ces leviers là ils sont vraiment précisés dans la méthode, et ils s'adaptent à chaque bébé. Ça va vraiment dépendre de ce dont a besoin votre enfant, et ça la coach le détermine au premier rendez-vous en fait, téléphonique, au premier entretien en visio qu'on avait fait. Je lui avais vraiment beaucoup parlé de Léna et elle m'avait dit ok, donc tu vas faire ça et ça quand elle va pleurer. Donc voilà, je suis à côté de son lit, je suis avec elle jusqu'à temps qu'elle s'endorme, et dès qu'elle pleure je peux la rassurer. En étape 2, je suis sur une chaise à côté de son lit toujours. Par contre, elle va devoir s'endormir par elle-même. Donc, sans aucun contact, elle va devoir s'endormir tout seule, trouver le moyen de s'apaiser toute seule. Encore une fois, dès qu'elle pleure, j'ai le droit de la rassurer. Vraiment, je la laisse jamais pleurer. Par contre, dès qu'elle est calme, elle est dans son lit et elle essaye de s'endormir toute seule. Une fois que l'étape 2 est atteinte et que bébé a de plus en plus de facilité à s'endormir tout seul, on passe en étape 3. Moi, en globalité, je crois que tous les 4-5 jours, je changeais d'étape, pour vous donner un aperçu, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui restent bloqués à l'étape 3 super longtemps, d'autres gens à qui ça va plus vite. Vraiment, ça dépend des bébés, comme je vous avais dit. Ensuite, en étape 3,
Là, je vous parle vraiment de l'endormissement, après je vous parlerai des tétés. En étape 3, Léna va s'endormir toute seule dans son lit et moi, je vais être sur une chaise à côté de la porte. Donc, elle va s'endormir toute seule, juste avec ma présence près de la porte. Pareil, dès qu'elle pleure, je la rassure, je suis là pour elle. Par contre, il faut qu'elle s'endorme toute seule dans son lit. Dès qu'elle est calme, elle s'endort toute seule dans son lit. Ensuite, en étape 4, et c'est la dernière étape, c'est je la pose dans son lit et je m'en vais. Et donc du coup, à cette étape-là, je dormais plus avec elle dans la chambre puisque au moment de l'endormissement, il fallait que je sois dehors. Du coup, c'est le moment où moi, j'ai pris une autre chambre de la maison et je l'ai laissée toute seule. Et donc, elle s'endort toute seule dans son lit. Encore une fois, si jamais elle fait des petits bruits, elle cherche en fait son sommeil. Elle intervient vraiment que quand elle pleure. Et ça, ça vaut pour toutes les étapes en fait. Si bébé chouine un peu, s'il est là, il se tortille, il change de position, etc. Je vais pas intervenir vraiment, j'interviens que pour rassurer les pleurs et pour lui donner mon amour, lui dire que je suis là, je suis avec elle, je l'abandonne pas. Par contre, elle s'endort dans son lit toute seule. Donc en étape 4, ça s'est passé super facilement. Moi je me suis dit, oh là là, mais je vais sortir de la chambre, elle va hurler et tout. Et en fait non, parce qu'elle avait déjà appris à s'endormir toute seule dans les étapes précédentes. Du coup, en étape 4, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau. C'est le moment où elle a plus du tout fait de réveil nocturne. Et franchement, ça nous a changé la vie. Je vais faire un petit aparté tétine, puisque souvent c'est ce qui cause aussi beaucoup de réveil la nuit. Donc là, les étapes pour... éviter ces réveils tétines. En première étape, on prend la tétine dans la main et on lui montre et on lui dit tiens, prends ta tétine. En deuxième étape, une fois que celle-là, elle la comprend bien et qu'elle l'assimile bien, je lui montre du doigt dans son lit, je lui dis tétine. Moi, j'ai acheté des tétines fluo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est un peu les mêmes que la marque Biebs que beaucoup de parents ont en ce moment. Enfin, bébé surtout, mais bref. Et du coup, elle se les récupère beaucoup plus facilement maintenant dans la nuit. En troisième étape, tu lui montres pas, juste tu dis le mot tétine et elle est censée la retrouver. Et donc, grosso modo, petit à petit, elle arrive à se débrouiller toute seule avec sa tétine et j'ai plus de réveil tétine maintenant. Je l'entends couiner un peu dans son lit. Quand je dis couiner, c'est faire des petits bruits et tout, mais elle pleure pas quoi. Elle est là en train de se dire où est ma tétine en langage bébé. Et ensuite elle se la remet dans la bouche et c'est réglé. Donc dans cette méthode, ça paraît simple comme ça, mais en fait ces techniques d'endormissement là qu'on applique au moment où on couche bébé, il faut les appliquer aussi dans la nuit à chaque réveil. Et comment vous dire qu'au début le nombre de réveils il est genre quadruplé par rapport à comment elle se réveillait avant quand elle dormait avec moi dans le lit. Donc là elle se réveille, elle se dit mais qu'est-ce que je fais dans ce lit, pourquoi maman elle est pas là, enfin il y a énormément de questionnements au début dans la tête de bébé qui comprend pas et donc on est là pour le rassurer à chaque fois et à chaque fois faut le rendormir de la même manière et voilà selon l'étape à laquelle on est et du coup c'est vachement prenant parce que des fois ça peut prendre du temps, des fois j'y étais pendant une heure et demie, deux heures à la reprendre, elle se calmait, après elle repleurait, elle se recalmait, elle repleurait. Et il faut vraiment, vraiment, vraiment tenir. Parce que voilà, à la fin, si jamais vous avez lutté en gros pendant deux heures, vous étiez là avec votre bébé, il n'était pas là à pleurer tout seul, mais vous êtes là à le rassurer et à lui dire mais tu peux le faire, tu peux t'endormir tout seul. Vous ne lui dites pas, mais bon bref, à être là avec bébé. Et si à la fin, vous le prenez, vous le mettez dans votre lit et en gros, vous apprenez rien à votre bébé, quoi. Vous lui apprenez que résister, ça va lui apporter à la fin, si je résiste longtemps, je vais dormir avec maman bien au creux je vais me rendormir à la tétée et contre elle. Et moi, personnellement, je voulais plus de ça, donc c'était super important qu'à la fin de chaque réveil, elle se rendorme dans son lit. Donc soit avec moi à côté si c'était le moment où j'étais à côté, soit moi sur la chaise et tout. Et je peux vous dire que quand à 3h du mat vous devez être sur une chaise et que votre bébé il n'arrive pas à s'endormir et que vous savez très bien que en le prenant dans les bras il s'endormirait contre vous en 2 secondes, c'est dur, c'est super dur et c'est là que c'est super important d'avoir une coach, d'avoir quelqu'un derrière nous qui nous dit c'est hyper bien ce que tu fais, c'est super, continue comme ça et bébé n'est jamais seul, vous êtes toujours là avec lui à chaque moment donc on n'est pas là à torturer notre bébé etc, non on lui apprend à avoir confiance en lui et à pouvoir s'endormir tout seul et c'est tellement bénéfique pour le futur, au final ces nuits qui sont tellement plus dur à l'instant présent, ça va pour tellement de nuits sauvées par la suite en fait, parce que bébé est capable de s'endormir tout seul, il fait ses siestes tout seul, beaucoup plus longues. Au tout départ, Léna faisait des siestes de 30 minutes seulement.
et elle se réveillait, donc j'étais épuisée, elle était épuisée, à chaque fois je passais toute ma journée à la rendormir et tout. Et maintenant elle fait des siestes super longues parce que bah, même si elle se réveille au bout d'un cycle, et ben, elle se dit ok, bah, je suis toujours dans mon lit, je sais comment me rendormir. Ce qui est important aussi, c'est de savoir que le parent qui couche l'enfant ou qui gère un réveil dans la nuit, c'est celui qui va aller jusqu'au rendormissement, jusqu'à l'endormissement. Et c'est pas quand papa va pas y arriver que d'un coup maman va prendre le relais, parce que sinon bébé comprend que si elle résiste avec papa, il y a maman qui arrive et inversement et tout. C'est vraiment le parent qui le couche au début, c'est celui qui le couche jusqu'à l'endormissement. Donc je vais maintenant vous parler du sevrage nocturne, comment on a fait. Et ben, on y est allé tout simplement par étapes. Donc en étape 1, j'avais le droit de donner la tétée à Léna après minuit et après 3 heures. Donc si elle se réveillait avant minuit, je devais la rendormir selon les modalités de l'étape 1, et si elle se réveillait avant 3 heures, pareil. Donc voilà, j'avais quand même 2 tétés par nuit. En étape 2 du sevrage, je pouvais lui donner la tétée mais pas avant 1h du matin. Donc je lui donnais une tétée dans la nuit et il fallait que ce soit après 1h. Donc si elle se réveillait avant, encore une fois, je devais la rendormir dans son lit, et si elle se réveillait après, j'avais le droit de lui donner une tétée. Donc dans ce cas là je lui donnais, j'ai un petit lit à côté, donc je lui donnais dans le lit à côté. Donc dans la méthode, c'est conseillé de donner la tétée assise. Moi franchement, au milieu de la nuit, je la donne allongée. Donc c'est vrai qu'au début je me rendormais souvent sur la tétée en même temps qu'elle, et ça c'est pas bien, mais bon, je l'ai fait une fois ou deux, après j'arrivais à tenir et je la reposais dans son lit. Et ensuite c'est pas avant 2h du matin, et ensuite c'est pas avant 3h du matin, et ensuite c'est plus du tout de tétée. Donc c'est vraiment très progressif, ça change tous les 3 jours. Donc pendant 3 jours c'est pas avant 1h, ensuite pendant 3 jours c'est pas avant 2h. Donc petit à petit en fait l'horloge biologique de bébé se met à jour, et ensuite quand on a été à plus du tout de tétée, ça s'est super bien passé. À ce moment là d'ailleurs, c'est Joanne qui a pris le relais, parce que moi pendant tout le processus, quasiment en fait, pratiquement jusqu'à la fin, c'est moi qui m'occupais de tous les réveils et de tous les endormissements de Léna. J'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de le faire moi. J'avais pas, parce que déjà en fait avant, elle s'endormait tout le temps à côté de moi en tétée et tout, donc je me disais je peux pas déjà lui enlever ça, et en plus elle passe avec papa alors que d'habitude elle s'endort toujours avec maman. Donc voilà, j'y tenais, il fallait vraiment que ce soit moi. Et quand la tétée de nuit a été enlevée, là c'est Joanne qui a pris le relais. Il a fait 2 nuits où il a dû gérer les réveils nocturnes, il en avait 2 ou 3 à ce moment-là, peut-être 2, et ensuite plus aucun. Donc plus aucun réveil avant 6h du matin, ou alors si elle se réveillait, et ben elle se rendormait toute seule, plus aucune intervention. Là ça fait 1 semaine et demie de ça, et pareil, plus aucune intervention la nuit pour rendormir Léna. Au niveau des endormissements c'est pareil, maintenant quand elle est fatiguée pour la sieste ou pour le soir, on la pose dans son lit, on s'en va, et elle s'endort en 2-3 minutes chrono. Elle s'endort toute seule, sans pleurer, sans nous appeler, sans rien. Et les résultats en fait, on les voit évoluer, puisque avec la coach en fait tous les jours j'avais un planning Excel à remplir avec l'heure du coucher, combien de temps elle a mis pour s'endormir, qui l'a couché, comment ça s'est passé, combien de fois elle s'est réveillée, etc. Enfin c'est super précis, et chaque jour j'avais un mail avec un retour de Delphine, sauf le jeudi et le vendredi. Ça c'est les jours off, et du coup le jeudi et vendredi je me sentais bien seule, et c'est là que tu te rends compte que ta coach, Et bah t'as besoin d'elle quoi. Surtout au début t'as besoin d'elle, t'as 10 milliards de questions. Et du coup j'avais des questions, je lui posais tous les jours sur WhatsApp, et elle me répondait tous les jours entre 14h et 16h. Parfois on s'appelait en visio, parfois on s'envoyait des vocaux, mais du coup j'étais jamais laissée livrée à moi-même quoi. Elle m'aidait, elle m'épaulait, et c'était super utile. Donc c'est vrai que quand j'en parle avec ma famille, on me dit ah oui t'as une coach en sommeil, ça paraît dingue et tout, mais en fait le sommeil de bébé c'est vraiment un apprentissage, surtout le sommeil indépendant. Et du coup je ne peux que vous recommander ça si jamais vous êtes en galère avec vos enfants, peu importe qu'ils aient 5 mois, 10 mois, 15 mois, 2 ans. Cette technique elle s'adapte vraiment en fonction de l'âge des enfants, et franchement ça nous a sauvés quoi, ça nous a sauvés. Maintenant quand je me couche, je sais que je vais avoir 7-8 heures d'affilée. Là actuellement Léna, quand je la couche à 19h20, elle dort 11h, 12h d'affilée quoi. Donc c'est le rêve, et c'est arrivé pour moi en 2 semaines. Et franchement j'aurais jamais cru quand j'étais en jour 5 qu'il y avait encore plein de réveils la nuit, que ça allait marcher. Franchement même dans mon vlog on me voit, je crois que je devais être à jour 4 ou 5, j'étais au bout de ma vie, j'ai dit j'ai passé une nuit pourrie et tout, je suis en plein coaching de sommeil. Mais ça vaut tellement toutes ces nuits, si c'était à refaire, mais je le referais, mais encore plus à la lettre, je le suivrai le truc, parce que je sais qu'à la clé, à la fin,
ça n'a pas de prix quoi. Le repos, le fait de pouvoir poser bébé, je passe 0 minute de ma journée à endormir mon enfant et pour autant elle est hyper détendue, hyper calme, elle est bien, je la pose dans son lit, elle est... C'est le rêve quoi, c'est vraiment le rêve. Du coup j'avais vraiment envie de partager cette vidéo avec vous, si ça peut vous aider. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Après encore une fois, chaque enfant est différent. Moi ça a pris 2 semaines, vous si vous suivez ce schéma là, peut-être que ce sera plus long, peut-être que ce sera plus court. Faites vos propres expériences, n'hésitez pas à contacter Delphine si vous avez besoin d'aide. Je vous mettrai son contact en barre d'infos. Encore une fois, je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler. Pour moi c'est vraiment genre, c'était un devoir de vous en parler. Vous avez vu ma date dans la dernière vidéo, la régression des 4 mois. Là maintenant que j'ai un truc qui marche, il faut que je le partage avec vous quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pas été trop longue. J'essaie de vraiment tout vous dire. Si j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.